Alors, comme juste avant, on a vu la valse type viennoise, il existe différentes sortes de valses, valses russes, valses parisiennes, irlandaises, etc., qui peuvent, évidemment, qui peuvent avoir beaucoup de ressemblances parce que c'est des rythmes ternaires, mais qui peuvent être aussi très différents dans l'état d'esprit, dans la manière de jouer, de la même manière qu'il existe plein de sortes de rock différents. Donc là, prendre comme application valse type irlandaise et notamment la manière de jouer, le rythme officieux de la ville de Dublin, c'est-à-dire Molly Malone. Et à la place de faire comme la valse viennoise par exemple, tum ti ti tum ti ti, là on va faire tum ti 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 tum ti 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 tum. Alors vous allez me dire c'est très subtil comme différence, certes, mais ça change complètement tout. Ça fait. Donc on fait la basse et l'aigu au lieu de faire. On va faire. Voyez, on en fait deux au lieu d'un seul. Donc on fait toum, ti, ti, ti. Je vous fais l'application avec la chanson Molly Malone tout au fond le début. In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. She wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, grinning cackles and muscles on live alive ho. Alive, alive, ho! Alive, alive, ho! Grinning cackles and muscles and alive, alive, ho! Alive, alive, ho! Alive, alive, ho! Grinning cackles and muscles and alive, alive, ho! Voilà. Alors, si vous voulez un tuto détaillé sur la chanson Molly Malone, vous me mettez un petit commentaire et je vous la mettrai en entier. Refrain, couplet, enfin tout sera mis parfaitement. Voilà, je vous embrasse. Bossez bien la guitare. Ciao, ciao.